La Cour de justice de la République a tranché. Après plus de 5 heures de discussion derrière ses murs, la commission des requêtes a décidé de lancer des investigations sur le rôle de Christine Lagarde dans l'affaire Tapie. C'est un avis favorable à une mesure d'instruction concernant Madame Lagarde. Deux chefs ont motivé l'avis de la CJR, complicité de faux et complicité de détournement de biens publics. Pour l'avocat de Christine Lagarde, cette enquête n'est pas incompatible avec sa fonction au FMI. Cette instruction permettra de dissiper définitivement des doutes qui ont été portés par quelques parlementaires de l'opposition à l'origine. Au cœur de l'enquête, un soupçon d'abus d'autorité de la part de l'ex-ministre dans le litige entre l'homme d'affaires Bernard Tapie et l'ancienne banque publique Crédit Lyonnais au sujet de la vente d'Adidas en 1993. Christine Lagarde a recouru à un arbitrage privé alors qu'il s'agissait d'argent public. Bernard Tapie aurait empoché plus de 200 millions d'euros d'indemnités de la part de l'État. La suite du dossier est désormais entre les mains du parquet général près la Cour de cassation. Charge à lui de saisir la commission d'instruction de la CJR qui mènera des investigations. Une longue procédure judiciaire qui ne devrait pas aboutir avant plusieurs années.